ma commande. Super, ma première commande de la saison. Ah, je vais en faire d'autres. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, bon Dieu, comment t'as su que j'ai une commande? Que j'ai reçu une commande? Ah, mais, bah, disons, j'y crois pas, là. Eh, t'es médium ou quoi? Comment tu l'as su? Que j'allais avoir une commande de pêche cette année? Enfin, bon. Bon, on va regarder ça. Allez, on y va. Oh, merde. Excuse-moi, je t'ai oublié dans la boîte aux lettres. Allez, je balance le titre. Allez, le titre. Oh coucou mes petits loups, bon bah aujourd'hui il fait beau, alors je vais vous montrer la commande que j'ai reçue, hein, tu vas voir, donc il fait un peu frais mais on a le soleil, ça va, donc voilà, c'est ma première commande de la saison, je l'ai reçue, attends je pose le micro 2 minutes, donc voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Mais moi je le sais, j'ai ouvert. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc on va le faire tout de suite. Alors cette année on va faire un peu de commandes pour rattraper tout ça parce que l'année dernière c'était juste. Hein. J'ai pas pu faire autrement l'année dernière. Donc on va voir tout ça. Alors c'est parti. On va ouvrir le cadeau. Enfin le cadeau, façon de parler. Allez, c'est parti. Donc. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Attends, je tourne un peu la boîte. Je la fais pas tomber. Ah oui. Ah ouais, bah ça c'est les sources des Climont. Voilà, ma roulotte que j'ai couchée, que je couchais dans la roulotte. Son parcours, tu vois. Ah ouais, bah il a presque rien changé. La fameuse le moulin. Ça c'est où on mange, le local où on mange. Ça c'est derrière son magasin. Et puis la roulotte où je dormais. Voilà. Et puis la salle de bain. Super, super, super. Tu vois. T'as vu, hein. C'est pas mal, hein. Bon, ok, on va passer à la commande. Voir que. Alors. J'ai reçu, ah ouais, le truc, ouais, le produit, voilà, le produit que j'ai reçu. Alors tu vois, c'est un super produit, mais je te le montrerai quand on sera au bord de l'eau. Alors je vais pas l'ouvrir parce que tu vois, il suffit que tu appuies là-dessus, là. Rien que là-dessus, pouf, ça gicle. Là. Oh, super, bon, ok, impeccable, j'ai reçu le produit, c'est bon. On va mettre ça de côté. Non, je vais le mettre dans la boîte parce que si ça roule par terre. Alors, j'ai déballé un petit peu hein, pour être en avance. Ah, alors ça mes amis, vous allez voir ce que c'est. Tu vas voir ce que je vais. Ah, on va déballer ça. Et c'est beau aujourd'hui. Ouais, super boîte. Alors, il m'a mis une queue de rat. Bon, hop, ça, on verra plus tard pour la queue de rat. Ouais, c'est une queue de rat comme ça, voilà, hein. Mais ça je la garde en cas de sécurité, merci Pierre. Voilà la boîte, elle est superbe. Alors quand il y aura les mouches, je te les montrerai dans la boîte, mais ça c'est super. Alors elle est un peu dure à ouvrir et à fermer, mais c'est normal, parce que tu vois là, regarde, tu vois tout autour où il y a mon doigt là, il y a des joints. Et non mais c'est il y a presque rien à dire, il y a des joints et quand
Quand tu la fermes, c'est un peu dur, c'est normal, même pour l'ouvrir. Mais c'est normal parce que c'est les joints qui sont dessus. Autrement, bah là, ça me fait très bien pour ranger mes mouches. Et là, je vais avoir de la place. Alors, ce qui est bien, je sais pas si tu vois là, juste là, tu vois là, elle est très haute quand tu fermes la boîte. Et c'est normal parce que quand elle est très, si elle était pas si haute, d'abord, je l'aurais pas pris. J'aurais écrasé toutes les ailes de mouche de mai. Tandis que là, tu vois, je sais pas si on voit bien, elle est bien haute. Comment te faire montrer? Tu vois là, elle est bien haute là. Donc, tu vois, eh ben, quand tu fermes la boîte, tes ailes de mouche de mai, elles sont pas écrasées. Et ça, c'est une bonne idée qu'ils ont eue. Et ça, c'est super. C'est une bonne idée. Donc, c'est super. Non, bon, pour la première commande de la saison, c'est pas mal. Donc, bah écoute, on n'a qu'à essayer. Je mettrai les mouches dedans et puis je vais l'embarquer. Je mettrai mes mouches de mai parce que on s'approche du mois de mai. Bah comme il fait beau, on ira peut-être à la pêche. Donc voilà, je suis content, j'ai eu mon produit. Bon, c'est une petite commande que j'ai eue. Hein. Le Propestius. C'est juste une petite commande que j'ai eue, donc c'est super. Non, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment content de cette boîte là. Je lui téléphonerai et puis je lui dirai. Alors bon, une boîte comme ça, elle fait 19 cm. Une boîte comme ça, 19 cm la largeur. Donc tu peux pas mal mettre beaucoup de mouches. Hein. Même tu n'es pas obligé de mettre que des sèches. Hein. Des sèches, tu peux mettre des nymphes, tu peux mettre plein de trucs, sauf les streamers, parce que c'est un peu grand les streamers. Voilà. Autrement, non, je suis super content. Alors si ça t'intéresse, tu me dis sur les commentaires. Parce que si tu veux que voir les mouches qui sont dans la boîte dès que je vais mettre, bah tu me diras ça. Hein. Et puis là j'ai fait pour cette saison-là, bah, j'ai fait des. Merde, tu vois, j'allais perdre mon truc. Oh putain. Alors j'ai fait pour cette saison-là, bah, comme l'année dernière, ça a bien marché au niveau de la pêche. Parce que l'année dernière, bah, elles ont monté sur des hameçons de 16. Donc, je vais rester en hameçon de 16. Là, j'en ai fait, comme j'ai mon ami qui m'a donné, Yves, qui m'a donné quelques boîtes en hameçon de 16. Là, je te les montrerai aussi. On en achètera aussi. Alors, le seul défaut de ces boîtes-là, il n'y en a pas pour 25. Il n'y a que 20 hameçons dans une boîte. Mais bon, c'est pas grave. J'avais l'habitude avec l'autre que j'en avais 25 dans la boîte. Mais bon là l'autre site que je prenais, j'ai laissé tomber parce que ils ont bien augmenté les prix. Et pour 50, il y en avait 50 hameçons dans le sachet. Mais ils ont bien augmenté, donc j'ai laissé tomber. C'est dommage, mais je prendrai que les fils de montage chez eux parce qu'ils sont bien, mais les hameçons sont trop chers. Donc je verrai ça à la prochaine commande. Et là, je retrouverai le site que j'ai trouvé pour les nouveaux hameçons, mais je te les montrerai. Tu verras, ils sont super. Hein. Et dans les boîtes, il y en a que 20, mais bon, c'est pas grave. Mais comme j'ai essayé l'année dernière, et là, avec ces hameçons là, j'en décroche aucune. Comme tu as vu le résultat avec les trois truites que j'ai fait l'année dernière au mois de septembre. Voilà, donc j'ai fait des mouches en 16 et puis j'en ai fait en 20 et en 18 et on verra ce que ça donne cette année parce que comme on a beaucoup de petites mouches et elles montent sur des petites mouches, donc je suppose qu'elles montent sur des mouches de 20 et sur des 16 et sur du 18. Donc bah j'ai fait du 18, j'ai fait en mouche 20 et en mouche 16. On verra bien. Bon, j'ai toujours des 14 et des 12 dans la boîte, mais bon, on verra si elles vont monter dessus parce que j'espère que cette année ils vont pas être compliqués comme l'année dernière. Voilà. Autrement, bah tu vois, bah je suis content, j'ai reçu ma commande.
Alors comme je t'ai dit, bah j'en ferai d'autres parce que bah comme GMC, les feutres que je prenais, bah, ils ont arrêté, ils en vendent plus. Donc j'ai trouvé un autre site et qui font des feutres, mais les feutres c'est à deux côtés. Il y a un gros pour les streamers et un petit. Mais quand je les commanderai, je te montrerai ça, tu verras. Puis j'achèterai les hameçons, j'en ai encore, ça va encore. J'achèterai quelques matériels, des feutres et puis des ailes de mouche de mai, parce que j'en ai plus, comme j'en ai fait l'année dernière. Et puis les fameuses queues mouche de mai, là, tu sais que j'avais fait la vidéo. Ben là, j'en achèterai. Ben, je te montrerai là. J'ai des dans d'autres boîtes. Quand je les mettrai dans cette boîte-là, je te les montrerai. Tu verrais, ça fait vraiment réaliste. Hein. J'achèterai ça et puis après, on verra. Hein. Alors, on verra comment ça va se passer cette année. Parce que j'en sais rien, je suis pas médium. Et puis voilà. Alors autrement, les rivières, je suis bien content, ils ont remonté. Là, j'étais faire un tour là quand j'étais chercher mon pain. Il commence à avoir quelques éphémères. Même il y a des olives. Et tu vas pas me croire, mais il commence à avoir des mouches de mai. Donc je vais attendre le mois de mai. Voilà. Alors autrement, espérons qu'on va bien s'amuser. Et puis bah comme j'ai dit à la dernière vidéo, on essaiera d'aller un peu partout avec dans le monde qu'on vit maintenant, ça une histoire de fou. Alors voilà, et puis tu vois, bah je suis content, j'ai reçu ma boîte. C'est une petite commande comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai reçu mon tube pour faire sécher les mouches. Alors j'avais pensé un truc, mais je sais pas si je vais le faire. Dis-moi sur le commentaire. Un jour je vais prendre un saladier, quelques mouches, et puis je vais te présenter plusieurs produits qu'il y a sur le site. Mais le problème, il faut que je change de site à chaque coup. Alors il y a le produit à poudre pour faire sécher tes mouches. Il y a le produit à grains. Tu mets ta mouche dans le tube et tu secoues. Et alors on essaiera ça un jour, on fera un tuto sur ça et puis on essaiera et puis je prendrai mon saladier et puis je te montrerai tout est bien, tous ces produits là sont bien, mais je préfère le produit que je t'ai montré, c'est deux fois mieux. Alors on fera un tuto là dessus et je prendrai chaque produit, je les prendrai parce que c'est à chaque différent site, et je te montrerai, je prendrai un saladier, tu verras la différence entre le produit que j'ai pris et puis le produit que à poudre qui est blanc et puis à granulé, et puis il y en a encore 5, mais on va pas prendre 5 produits comme ça, hein. Voilà, bon bah tu vois, je suis content, il fait beau, donc tu entends la musique de fin, on va se quitter et puis je te dis à très bientôt, porte-toi bien et puis merci pour tout parce que vous êtes tous super. Hein, surtout la vidéo que j'ai lancée, elle commence à bien marcher et elle cartonne très bien. Là, elle m'a fait 72 vues. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, allez, je te laisse parce que le mot fin va arriver, le titre de fin. Et puis la musique, comme tu l'entends, là, la musique de fin. Allez, je te dis à une prochaine. Et puis, une prochaine vidéo. Et puis, à bientôt. Au revoir. Thank you.
Mm-hmm.